La bibliothèque Carnegie, pôle de conservation et de valorisation du patrimoine au sein de la bibliothèque municipale de Reims, est très heureuse d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Bourvenne et Jean-Louis Hackette pour la remise d'un don de livres d'artistes. Cette aventure a trouvé sa place dans un projet de recherche qui concerne les collectionneurs de livres en Champagne-Ardenne, qui n'est pas destiné uniquement à mettre en valeur les collections patrimoniales des bibliothèques régionales, mais aussi à accompagner la création contemporaine. C'est ce qui a été réalisé avec la collaboration de Marie-Christine Bourvenne. Cet ouvrage a été accompagné dans ce projet par le Centre de recherche interdisciplinaire sur les modèles esthétiques et littéraires de l'Université de Reims. J'avais très envie de travailler sur les images, sur la danse macabre, mais particulièrement sur des images inédites. Ensuite, j'ai découvert par hasard le poème d'Edmond Haraucourt qui m'a séduit. Alors, dans la mise en page, elle est assez particulière puisque la gravure est tête bêche par rapport au poème, tout simplement parce que l'idée était de scénographier la lecture, c'est-à-dire de mettre vis-à-vis un regardeur et un lecteur. Pour cela, ils doivent mettre le masque. Voilà, donc l'idée c'était de faire une performance aussi de lecture avec le livre.